y a de nourriture, plus c'est frites. Mais que faire si la nourriture est désagréable et il y a une centaine de couches? Voyons comment nos héros vont s'en sortir. Bienvenue sur Barada. J'avais tellement faim que je n'ai pris qu'une seule pizza. Dommage. Je suis aussi désolée pour toi, mais comme c'est cool, j'ai reçu beaucoup plus de pizzas. Toi? Tu n'as pas encore vu ma tour. Oh, regarde, il y a tellement de pizzas qu'elles montent jusqu'au ciel. Oh là là! C'est carrément de chance, mon jeune premier. Je veux dire Diana? Ah. Arrête, ce n'est pas drôle du tout. Je n'ai pas besoin de savoir ce que je vais manger en première. Et j'en suis ravie. Même si j'en ai qu'une seule pizza, elle est toujours délicieuse et chaude. Regardez comment le fromage s'étire. C'est magnifique. C'est tellement bon. Hé, hey, regarde. Oui, fais attention à l'endroit où tu jettes les ordures. Arrête, arrête. C'est fini, j'en ai marre de toi. Tu veux me jeter des croûtes? Vas-y, fais revenir les croûtes. Comment c'est drôle. Je suis la seule à ne pas me toucher. Il est grand temps que je mange de la pizza. Ah oui. Diane, t'avais raison. La pizza est délicieuse. Oh, une idée. Tu connais la meilleure façon de manger sans se salir les mains. Je pourrais le rouler comme une pita. Maintenant, c'est agréable et pratique. Comme tu manges bien. Regardez, maintenant, je vais montrer comment manger de la pizza très rapidement. Alors, c'est plutôt cool. Waouh, j'avais aucune idée qu'une telle quantité de pizza pouvait tenir dans la bouche d'une personne. Bien sûr que oui. En fait, tu peux manger plusieurs pizzas d'affilée. Oh, oh no. Hey. Je pense que ça va tourner. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allez, tu n'as pas à t'inquiéter. Au moins maintenant, toutes les pizzas sont en nous. Et nous pouvons les manger. Où sont mes pizzas? Vous n'avez pas honte? Vous venez de les voler, effrontement, voleuse. Ne nous crie pas dessus, nous avons juste très faim. Ok, un fantôme pour moi de m'attaquer à ma pizza. J'ai attendu si longtemps pour cela. N'importe quelle tour, une tour très très savoureuse. Oh, et les restes de saucisses. Excuse me. Juste un tic-tac. On peut même pas manger un seul tic-tac. J'ai une boîte entière. Regarde ce que Diana. Oui, regardez tout ce que j'ai. Ce n'est pas seulement une boîte, c'est un paquet géant entier de tic-tac. C'est trop cool. Mais Lily mange d'abord. Je sais, mon tic-tac est parfumé au coca. Et j'adore coca. C'est bon, mais très peu. Marie, c'est à ton tour de manger. Ok. Yeah, je suis toujours prête pour une quelque chose de délicieux. What? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi les bonbons ne sortent-ils pas? Oh, dans ma bouche. Ah, Marie a perdu tous ses bonbons. Oh non! Non, elle ne l'a pas fait. Mais ils sont partout sur la table, elle peut toujours les manger. Ou plutôt, aspirer à travers une paille. Yeah! J'adore. Diane, t'es la seule qui reste. Come on! Yeah! Yeah, c'est enfin mon tour de manger tous ces tic-tac. Oh! Wow! Regardez, il y en a tellement. No. C'est bon. Oui, c'est bon. Peut-être que tu peux partager avec nous. T'as tellement de paquets. Partager? Ah ouais, plus de quoi. C'est tellement bon que j'adorerais manger tout moi-même. Oh non, c'est vrai. J'ai une idée pour voler au moins une boîte à Diana sans se faire remarquer. Si je tends la main de son côté, il ne le remarquera pas. Marie, sors ta main. On va manger du tic-tac. Hé, hey, vous avez d'où ça? C'est mes bonbons. C'est tout, vous êtes foutus. Préparez-vous à vous faire tirer dessus par un pistolet à bonbons. Prenez ça. Please. Arrêtez, arrêtez. S'il te plaît, arrête.
vous saurez comment voler mes bonbons. C'est vrai. Elle nous tire des bonbons. Et c'est très bon. On peut les attraper avec la bouche et les manger. C'est une idée géniale. Prenez ça. Oh, je crois que je n'ai plus de tic-tac. Et je n'ai rien d'autre à manger. Oh, nous sommes pleines. Merci beaucoup. Oh non. Waouh, où est-ce que je vais trouver autant d'ail? Je suis d'accord. Je n'ai pas été blessée non plus. Pas de chance pour vous, les filles. Seulement, je n'ai qu'un seul morceau d'ail. J'étais la première à le manger. Et alors? Je pense que je vais m'en débarrasser en rien de temps. Si je fais pêcher, ce n'est pas drôle de manger avec. Waouh, une façon cool de le peler. Qu'est-ce que vous avez pensé? Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver une façon vraiment cool de le manger. What? Oh non, je ne veux pas manger cette chose. Tu devrais voir ton visage ridé. Tu sais ce qui pourrait t'aider? Un vrai taille. Manger de lait ne te paraîtra plus assez désagréable. Allez, Lily, ouvre ta bouche. Je vais t'aider à presser l'ail à l'intérieur. Oh non, merci, je vais bien. Vas-y, ouvre la bouche. Si tu ne peux pas l'ouvrir toi-même, je vais t'aider. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est bon? Non, c'est affreux. C'est la pire chose que j'ai jamais goûtée de ma vie. Oh, je suis désolée. Oh, ça pue. Maintenant, nous devons aussi le sentir. Lily, pour que ton haleine ne sente pas de l'égout, prends ton chewing-gum. Oh, merci, je pourrais certainement utiliser du chewing-gum. Cela a aidé, maintenant c'est comme si je n'avais pas mangé de l'ail. T'as de la chance d'avoir mangé l'ail. J'étais sur le point de le faire. Mais pourquoi le manger? C'est si joli. Ce serait tellement cool que si je le mettais autour de mon cou et le portais comme un bijou. Pas du tout. Les règles disent que tu dois le manger, alors bon appétit. J'espérais que le dé des perles fonctionnerait. T'es très méchante, Diana. Mais je ne vais pas mordre l'ail comme ça, de toute façon, j'ai une meilleure idée. Hein? Pour éplucher rapidement et soigneusement l'ail, tu le déposes dans un verre et tu le secoues bien. Ensuite, de l'ail reste là et le reste peut être mangé. Wow. Alors, regardez, ça marche. Maintenant, on peut commencer. Oh oui. Lily, je suis d'accord. C'est très désagréable. J'ai l'impression d'avoir mangé une poubelle. Oui, ça sent vraiment dans la pièce maintenant. Mais ce n'est pas grave. Je connais un moyen rapide de se débarrasser même de cette odeur désagréable. Nous aurions bien besoin d'un déo. Rien ne vous aidera. Juste à ce que l'odeur sorte de ma bouche. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Exactement, si ton haleine sent mauvais, tu dois vaporiser avec un déo. Tiens! Oh, je crois qu'il n'y en a plus. D'accord. Et il n'y en a plus dedans. C'est vrai? Il n'y en a plus. Mais c'est vraiment un goût affreux. Diana, c'est à ton tour de manger de l'ail. Lily, s'il vous plaît, est-ce que je peux ne pas manger du kusuta? Non, vas-y, mange, nous croyons en toi. J'espère que je ne vais pas vomir. Bon, je peux le tenir pour l'instant. Après tout, je suis une fille forte et je peux supporter juste quelques trucs. Comme c'est horrible. Wow. Elle mange avec la peau. Juste un peu plus. Je dois faire face à ça. Attention, ne jette pas. Ça vole droit sur moi et Marie. Je m'en fiche, tout ce qui m'importe en ce moment, c'est que mon haleine sent la poubelle. Oui, ça sent très mauvais. Oh, je sais ce qui peut nous aider. Si nous coupons la source de cette puanteur, nous pouvons nous en débarrasser dans la pièce. Oh, je ne peux pas respirer. Allez, sauvez-moi. J'espère qu'il est en vie. Hey. Bien sûr qu'il est en vie. Je me suis évanouie à cause de cette puanteur. Je vais bien. Je suis en vie. Je vais bien. Désolée, Diana. Ce n'est que sur Darada que tu trouveras des challenges aussi inhabituels et cool. Abonne-toi, tu ne manqueras rien.